Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement ma chaîne YouTube. CBMAT, c'est un site, un blog de mathématiques qui regroupe un blog, une section pour le CAPES, bien entendu mon site de cours à domicile et maintenant une chaîne YouTube. Vous pouvez voir mon blog cbmat.fr. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une liste par ordre d'importance des sujets d'examen et de concours que l'on va aborder tout au long de l'année scolaire 2017 et 2018. Alors, premier examen que l'on traitera, c'est les dossiers de CAPES de mathématiques. Alors, les dossiers de CAPES de mathématiques, c'est la seconde épreuve orale du CAPES de mathématiques. Pour faire bref, un dossier comporte un énoncé d'exercice, des documents pédagogiques et quelques questions comme analyse des documents pédagogiques présents dans le dossier, présentation d'une correction du problème proposé et présentation de divers problèmes répondant au même thème que le dossier. Le public visé est donc les étudiants qui vont préparer le CAPES de mathématiques. Et les difficultés des dossiers sont variables, ça va du collège au lycée, et bien entendu il faut aussi des compétences de pédagogie pour présenter un dossier de CAPES de mathématiques. Je profite de cette vidéo pour présenter aussi mes trois polycopiers traitant du CAPES de mathématiques. Un premier polycopier sur les leçons de mathématiques, donc c'est la première épreuve orale de mathématiques. Un deuxième polycopier sur la préparation à l'écrit du CAPES de mathématiques. Cela reprend la préparation à l'écrit que j'ai pu suivre à l'université Lille 1. Et un troisième polycopier qui reprend tous les dossiers de CAPES de mathématiques depuis la session 2013. Les dossiers dans ce polycopier sont rangés par thème, qui pourrait être bien pratique quand on cherche des exercices intéressants sur tel ou tel thème. Deuxième concours que l'on va aborder, c'est le concours de recrutement des professeurs des écoles. C'est l'épreuve de mathématiques que l'on va traiter, la première et la deuxième partie. La troisième partie étant une partie un peu plus didactique. Donc, première partie, c'est un problème avec plusieurs sous-parties, bien entendu, avec un thème bien précis. Deuxième partie, donc, de l'épreuve, quelques exercices pas trop compliqués qui reprennent divers thèmes du programme du collège et début lycée. Alors le public visé est bien entendu les étudiants qui préparent le concours de recrutement des professeurs des écoles. Difficulté du concours, c'est des mathématiques niveau 3e début lycée avec une petite dose de raisonnement en plus. Troisième épreuve, donc les épreuves phares de l'éducation nationale, donc le bac S, le bac ES et les brevets des collèges. Alors, pour tout ce qui est bac S, ES et brevets des collèges, nous allons traiter donc la session juin métropole, la session métropole septembre, la Nouvelle-Calédonie, donc session Nouvelle-Calédonie qui va dérouler en novembre, et la session Bondichéry qui se déroule en mars. Donc c'est Bondichéry est une sorte de étalonnage pour le sujet de juin métropole. Alors voici le quatrième thème que l'on va aborder au mois de mars, donc la semaine du 14 mars, le PIDE, lors du PIDE. Donc semaine du PIDE, semaine des mathématiques de l'éducation nationale en France. Alors j'ai traité en 2016 la semaine des mathématiques sur le thème du sport et la semaine des mathématiques sur le thème des langues. Donc vous pouvez voir sur la playlist semaine des mathématiques les vidéos qui ont attrait à ces thèmes, donc le sport et les langages. Cinquième type de vidéo, cinquième épreuve, le certificat d'études primaires. Alors, certificat d'études primaires était un concours comme le brevet, mais niveau école, donc niveau CM2. Ainsi, ici, il sera question de maths beaucoup plus basiques, des opérations basiques, de proportionnalité, des questions de vitesse, questions de calcul d'air. C'est une émission
pourrait donc convenir à tous les élèves de collège et les adultes qui veulent reprendre les mathématiques en douceur. Donc sixième épreuve, concours kangourou. Donc ici j'ai déjà traité le sujet 6e-5e. Donc très prochainement on va peut-être aborder le sujet 4e-3e et celui de terminal S. Le concours kangourou se déroule généralement lors de la semaine des mathématiques. Ici ce sera le jeudi de la semaine des mathématiques, le jeudi 15 mars 2018. Je reçois les sujets un mois après, donc aux environs de mi-avril, et donc je peux aborder, faire une correction de ces sujets après le mois d'avril. Bac, autre série, donc STMG, STI2D, ce seront les sessions métropole juin, et peut-être aussi des bacs des années antérieures. Et dernier concours que l'on va aborder, le TFJM2, le tournoi français des jeunes mathématiciennes et mathématiciens. Alors ici, nous allons faire que des explorations de problèmes, donc c'est-à-dire on va étudier l'énoncé du problème, on va pas répondre à toutes les questions du problème, voir quelques pistes pour répondre au problème de recherche. Alors ici, difficulté du concours, ça requiert des notions un peu plus poussées, c'est pour ça que ce concours est proposé aux lycéens de très bon niveau. Bien voilà, la vidéo de présentation de ma chaîne est maintenant terminée. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.